l'école supérieure de la banque il y a tout juste 12 mois, à un moment où l'école supérieure de la banque préparait sa transformation liée à la réforme de la formation professionnelle, qui modifie assez substantiellement ses processus internes, et au premier rang desquels le processus de facturation qui a été terriblement chamboulé. À titre d'exemple, la réforme nous impose de passer de à peu près 400 factures par an à près de 24 000 par an. Donc une transformation considérable de notre process de facturation et donc des difficultés rencontrées par les équipes qui n'étaient pas préparées à une telle charge de travail et à devoir moderniser en interne leur façon de travailler. Pour repenser ce que nous avons appelé par la suite le process order to cash, comme son nom l'indique, du client jusqu'à la facturation et même au règlement. Et donc on a retravaillé l'intégralité de ce processus pour le détricoter et le remonter proprement. Alors, je n'ai pas encore des chiffres à vous annoncer, même si je suis très 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 confiant sur les résultats que nous allons obtenir, puisque l'objectif du déploiement de la mise en œuvre de ce processus dans notre organisation cible est pour le début de l'année 2022. Quaternaire, d'abord une merveilleuse équipe, toujours à la pointe de l'innovation. Une entreprise qui est sérieuse mais qui ne se prend pas au sérieux et qui accompagne parfaitement ses clients. Quand on a goûté Quaternaire, je pense en être l'exemple. On y revient et on y revient de plus en plus.